Et donc c'est tout le monde, c'est Mastizo300, j'espère que vous allez tous très bien, car aujourd'hui on se retrouve pour la je me suis foiré, c'est pas possible, c'est un truc de malade. Et donc c'est tout le monde, c'est Mastizo300, j'espère que vous allez tous très bien, car aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 25 de notre playthrough sur Watch Dogs, où je suis équipé de la tenue flashy, de la tenue extravagante que je nomme Clash Culturel. Voilà, elle est flash. Et elle est classe surtout, je trouve, personnellement. Alors, épisode 25, 24, 25. Je sais même plus où j'en suis dans mon planning, c'est horrible. Où nous allons commencer par choper une voiture et où vous allez tout de suite tendre vos oreilles pour écouter ce que Jordi a à nous dire. Vous êtes bien sur le... Enfin, vous savez sur quelle boîte vocale vous êtes. Je suis actuellement sur un chantier, mais mon associé se fera un plaisir de vous aider. Voilà, Jordi, toujours son sens de l'humour, c'est génial. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien tout d'abord, on va aller faire un petit crime. Et puis on et bah, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, on fera la mission que je ne sais plus comment elle s'appelle. Débrouille, il me semble que c'est ça son nom français. Et son nom anglais c'est Breakthrough. Voilà, c'est ça. Allez, hop là. Tout en douceur. Alors, je ne sais pas du tout combien de temps ces missions vont durer. On verra bien. Mais sinon, rappelez-vous que je vous avais promis aussi de vous montrer les enregistrements vidéo dans le bunker. Je pense que si l'émission dure pas trop longtemps, ben c'est ce qu'on fera. Voilà, je vous le dis, comme ça c'est fait. What? Ok, il était à l'intérieur. De rien, mon pote. Oui, c'est carrément pareil, le mec. Super. Bon. Eh bien, écoutez. Maintenant, du coup, on va aller ici. Il me semble que c'est ça. Voilà, débrouille. Exactement. Oh là! Oh oh! Ce slalom entre les deux voitures! Classe! Oh. Bon bah tant pis. Hop, toi t'as. T'as quoi? C'est un compte? Non, c'est une clé système. Ça m'intéresse. Donc je prends. Hop là, pardon mesdames. Bon, on va passer par là, écoutez. Hein. Hop. Pardon! Hop là, excusez. Donc là on a le contrat exclusif. Je sais plus son nom, c'est génial. Bon, c'est pas grave. C'est pas ADN du tueur, parce que ADN du tueur, il est au sud. Merde, je sais plus comment il s'appelle. Et lui, oula. Il est où? Il est au-dessus, d'accord. Par où on monte? On monte par là. Ok, c'est parti. Putain, il y a encore un crime qui s'est déclenché. On va pas tous les faire non plus, parce que sinon, ça va être la galère. Alors je vous dis tout de suite, je ne sais pas du tout ce que ces missions-là nous réservent. Je n'ai pas regardé. Je laisse le suspense. Et on va bien voir. Allez, contrat exclusif, c'est parti. Un accord nauséabond entre le monde des affaires de Chicago et le club de Lucky Queen est sur le point d'être signé. Nous voulons savoir qui sera présent. Malheureusement, ces hommes ont deux véhicules bien protégés, équipés de brouilleurs. Nous sommes donc sourds, mais nous ne sommes pas muets. Vous serez notre voix. Je suis pas la voix de DedSec, mais si c'est pour s'attaquer au club, je suis partant.
Ok, d'accord. Alors, je vois quel type de mission c'est. Arrêter de véhicules, machin bazar. Hop, on va arrêter le métro aussi, on va en profiter. D'ailleurs, on va pas se faire chier avec cette caisse, hein. Voilà, on va descendre directement par les escaliers, sinon on va mettre 3 ans. Et purée, pourquoi ils ont foutu ce contrat haut si c'est pour redescendre, sérieusement? Ça se fait pas du tout, là. Non, on sort pas par là. Hop là, par contre, ici, c'est bon. Il faut tous les deux les mettre au sol. Il faut pas les tuer. Ok. Bah écoute, toi, tu vas me passer ta caisse. Voilà, c'est très gentil. Hop là, alors. Qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, ouais, on va prendre ce pistolet silencieux. Et on va tout simplement leur foncer dedans. Voilà. J'espère que cette voiture pourra faire assez de dégâts. On va essayer de les avoir dans l'angle là-bas pour que ça fasse plus de dégâts. Ok, c'est un fail. Ok, alors. Ouais, on va se calmer tout de suite là. Il y en a un là que j'aimerais avoir en fait. Voilà. Ensuite, un autre là-bas qu'on va avoir. Oh là, au sniper. Voilà. Alors, comment on va se démerder? Puisque je le rappelle, il faut les mettre au sol. Putain, c'est foutu! Grâce au chaos que vous seuls savez créer, nous avons une invitation à la fête. Nous ici la police, quelle est votre urgence, s'il vous plaît? Envoyez, vous voici pouvez répéter. Quelque chose. Allô pour vous remercier. Maintenant, j'espère que tout cela vous sera utile. Attends. C'est tout? C'est tout? Putain, mais la vidéo fait 8 minutes 30, les mecs! Tu rigoles, là? Ah, mais j'avais pas du tout prévu ça. Bon, j'aimerais pirater ce mec, là. Voilà. Ah, merde, j'avais pas du tout prévu ça, moi. Bon, bah, tant pis, écoutez. Je pensais pas du tout que ce serait aussi court en fait. Et c'est abusé, je trouve, sincèrement. C'est abusé. Franchement, je m'attendais à autre chose. Là, je suis franchement déçu. Parce que là, ce qu'ils nous ont fait faire en fait, ça revient au même qu'un contrat de fixeur en fait. Ou non, c'est une escorte criminelle. Non, je sais plus. Si, si, c'est une escorte criminelle. Ça revient au même. Donc c'est un petit peu de la merde. Enfin, un mois. Putain, il y a plein de crimes. Ouais, non, il n'y a pas d'autre icône de la sorte. Hein. C'est juste une mission comme ça. D'accord. Ah bah franchement, je suis déçu là.
Franchement, je m'attendais à autre chose. Je suis tout proche. Où est-ce qu'il est? Voilà, bon. Petit truc sympa. Ah, toujours la même chose de toute façon. Bon bah du coup je ne sais pas du tout ce qu'on va faire là. Ça fait un petit peu chier parce que j'avais pas du tout prévu ça. Et du coup je pense qu'on va faire comme on avait l'habitude, hein, des contrats de fixeurs, des escortes criminelles et des planques de gang, écoutez. Hein. Parce que je vois pas ce qu'on peut faire d'autre en fait. Je vois pas du tout. J'aurais bien fait les taux de contrats exclusifs, mais bon. Ouais, non, allez. Contact fixeur, on va prendre celui-là. Après, on fera une escorte criminelle et une planque de gang. De toute façon, on a le temps. Faut que j'amène une caisse du point A au point B sans trop l'esquinter. Ça devrait être faisable. Si j'évite les grands axes autant que possible. Ok, c'est parti, on récupère le véhicule, on l'amène au point de destination. Ah, c'est une moto. D'accord, c'est une moto, pas de problème. Bah écoutez, on va y aller vite, France. Si j'évite les grands axes autant de possible, est-ce que ça c'est compté comme un grand axe ou pas? Un grand axe, d'ailleurs, au passage. Oh la vache! Eh mais c'est quoi ça? Elle est incontrôlable ou quoi? C'est quoi ce bordel? Putain, j'ai dérapé comme de la merde. Ah, je comprends pourquoi il a dit d'éviter les grands axes, hein. Putain. Oh, c'est pas du tout une moto que j'avais l'habitude de conduire, ça. En fait, j'ai jamais conduit celle-là. Qu'elle doit avoir des caractéristiques vraiment spéciales en maniabilité. Parce que putain, pour déraper comme ça. Tu déconnes? Oh, cette honte. Intersidéral, c'est un truc de malade. Oh la vache, j'ai tellement honte d'avoir fait une performance pareille. Non mais, c'est du troll. Ok, bon là on a une Papa Véro, ça ira peut-être mieux. Alors, faut aller où cette fois-ci? Là-bas. Oh, génial. Bon, on va quand même essayer de faire mieux cette fois-ci. Hein. Je pense que seule fois les Papa Véro, on a l'habitude de conduire ça. En évitant les grands axes, hein, bien entendu. Lol. Putain, le mec qui dit ça, quoi. Ok, il me reste 20 secondes pour arriver là-bas. C'est faisable si tout se passe bien. Comment c'est chaud! Putain, c'est la première. Premier truc comme ça que j'aurais autant galéré. Ouais, ok, c'est bon, on peut passer par-dessus, j'ai eu peur. C'est encore une Papa Véro, ça? Ah, purée. Ok. Oui, c'est un fail, oui, il y a eu une ellipse, oui, j'ai pas eu assez de temps. En même temps, une minute pour faire un trajet comme ça, putain. Tout...
Enfin, quoique là, j'ai l'impression qu'ils m'ont rajouté, du temps quand même. Parce que je me rappelle que là, j'étais à 33 secondes. Et ok, c'est là qu'il fallait prendre. Moi, j'ai pas du tout pris là quand j'ai fait. Donc du coup, ce qui fait que je me suis paumé. Et là, il me restait plus que 7 secondes. Voilà, bon, c'est de la merde, si on regarde le classement juste pour le fun, c'est impossible de se connecter à Xbox Live, c'est génial. Contrat de fixeur 10 sur 40, on n'est pas sorti de l'auberge, c'est moi qui vous le dis. Du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est une planque de gang. J'ai une bonne nouvelle, votre commande a été livrée. Allez, hop, on va aller casser la gueule à quelques mecs. Bon, bien qu'on l'ait fait en début d'épisode, mais bon. Il n'y avait pas grand monde à buter, là. Par contre, si j'arrive pas à écraser les personnes, là, ma réputation va baisser, un truc de malade. Non mais la musique quand même parce que c'est pas rien quand même la musique dans un jeu. Coucou. Merci. Je tiens une opportunité là. S'il y a des tensions dans les rangs du club, je vais tout faire pour que ça empire. Il suffit d'éliminer un de ces types pour qu'il pète les plombs et foute le bordel. La caméra elle bougeait, je sais pas pourquoi. Hop là, salut, tu tombes bien toi. Enfin, pour moi tu tombes bien, mais pour toi, tu tombes très mal. Hop là, bonjour. Alors c'est où? C'est ici là? Ok. J'ai tué le mec que je devais mettre au sol. Putain. Oh là, non, non, non. On va pas utiliser ça. Hop là. Oh, oh. Voilà. Merci. Comment il s'est fail? Bon, alors. Hop là. Tu me vois? Tu me vois pas? Ah bah, tu m'as vu. Il est là. Checkez vos munitions. Ta gueule. Ouh, ce fail d'animation! Truc de malade! Et la merde, il nous faut... Ok, allez, on fait ça à l'arrache, c'est parti! Il a failli m'avoir là! Je me suis total foiré pour le focus, truc de malade! Par contre, je vais regarder quelle est ma cible! C'est pas toi donc c'est bon, je peux te tuer normalement, voilà. Est-ce que c'est toi là-bas? Oh là, ouais. Apparemment non, donc c'est bon. Non, 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 grenade, je suis pas d'accord moi. Ok, viens là toi. Ouais. Ah mais c'est qu'il s'enfuit en plus. Urgence s'il vous plaît. Faites vite. Quelqu'un tire avec une arme. Vous m'entendez? Il faut que vous restiez en ligne. Oh la vache. Eh hey, j'avais jamais vu ça les mecs. Les mecs qui s'enfuient comme ça, j'avais jamais vu ça. Rise Against, bonjour. Ah mais c'est énorme. Ah ça donne un petit peu de piment là, c'est cool. En plus c'est musique qui va bien. Je trouve ça énorme. Hop là, ok je me suis foiré. Pas de problème. Ah j'aimerais me rentrer par contre. Merci, c'est gentil. Pardon, casse-toi, toi. Si j'avais le temps de prendre ta voiture, je l'aurais fait, mais bon, oula, pff, deux civils blessés.
Allez, on va essayer de pas utiliser les hacks pour l'avoir. Non, je déconne, lol. De toute façon, je l'ai pas eu. Bon, écoute. Hein ? Ah bah non, je dois la mettre au sol, putain, je suis con. Putain, j'allais le descendre comme un débile. Ah mais du coup, on a pu Rise Against. Bon bah tant pis. Je vais la retrouver, j'en ai rien à foutre. Bon allez, c'est bon, toi j'en ai marre. Ouais, je suis au courant, ouais. Et toi, t'es quoi, une mauviette qui court comme une tapette? Ah, c'est non disponible, d'accord. Là, je peux pas mettre de musique. Non, non, mais n'importe quoi. Hop là. Voilà. Point de compétence obtenu. Muy bien. On va mettre ça dans brouillage parce que... dans désactiver les appels de renfort dans brouillage, n'importe quoi. Ouais. On va mettre ça là-dedans, comme ça on a tout dépensé. Et puis les mecs ne pourront plus appeler. Alors maintenant, il nous reste quoi à faire? Une escorte criminelle. Bah, c'est parti. Merde, fait chier. Bon bah tant pis, je vais me commander une voiture. Non, 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 et oh, oh. Non. Allô ? Je crois que j'ai perdu l'appel. Pour ta mère, connard. Si, si. Eh, hey, la livraison est arrivée. Dites-moi s'il y a un problème. Ouais, y'a un problème. Je Jordi, moi, je veux pas un inconnu. Ah oh bah, allez hop. Bon, d'accord, ok, je vais prendre ma voiture. Hein. Quoi, c'est pas ma faute, il voulait pas la prendre. J'en ai marre des petits comptes bancaires là, à la con. Toi dégage. Hop là. On peut voir à droite qu'il y a un trafic d'êtres humains. Qu'on fera plus tard, bien entendu. Tout ça dans une vidéo spéciale. Hein. Enfin, dans une vidéo spéciale. Dans une vidéo à part, plus précisément. Faudra aussi que vous me fassiez penser qu'il faut qu'on rentre au bunker après cette mission. Et que je vous fasse voir quelques enregistrements vidéo. Enfin, bien sûr, vous m'y ferez pas penser, mais moi j'y penserai. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Hop là, pardon. En temps normal, je les aurais laissés s'entretuer. Mais apparemment, ils vont tendre leur embuscade dans un endroit public. Il faut que j'empêche ça. Immobilise les deux cibles, d'accord. Alors, faut quoi? Faut les mettre au sol toutes les deux. Ok, comme tout à l'heure en fait. Bien, bien, bien. Eh ben écoutez. On va leur foncer dessus, hein. Bon, on va faire autrement parce que c'est pas la meilleure méthode en fait. Hein. C'est n'importe quoi ce qui se passait. Oh yeah! Country baby! Oh, par contre. Ouais, bon, on va préparer leur embuscade. Oula! Allez hop, on va prendre pas mal de voitures pour leur faire un beau barrage. Voilà, bon par contre on va pas faire comme les flics, c'est-à-dire qu'on va pas laisser un trou au milieu. Et tu fais quoi toi? Passe-moi ta caisse. Ça va aller, t'inquiète pas.
Voilà, et puis on va créer un petit accident. Voilà. Et on va les attendre. Ok, ils sont à 700 mètres. Bah écoutez, pendant ce temps-là, on va parler, on va papoter. Hein. Qu'est-ce que j'utilise? UI ou UI de proximité? Je vais voir. De toute façon, ce que je vais sûrement faire, c'est leur coller sur leur engin, tout simplement, sur leur voiture. On va mettre ça bien quand même. Oh, pète-moi ça. Voilà. Histoire qu'il passe pas. Oui, je galère, et alors? Voilà. Ok, ils sont plus qu'à 200 mètres. Ok. Ouais, ça devient chiant, je sais. Allez. On va voir si ça marche. On va voir. En espérant que... Non, moi, c'est Masti. C'est pas Jésus-Marie-Joseph, hein, c'est juste Masti. Ok. Tac. Tac. Non mais tu vas où, toi? Oh, il y a une personne à sauver ici, on le fera plus tard. Hop là, à travers la vitre. Voilà, hop là. J'ai juste une question, il n'y a pas un gros en armure lourde là? Ok, il est là-bas. Voilà, voilà, hop là, hop là, et tac! Ok, voilà. Ça c'est fait. Bon bah c'était bien, c'était sympa. Argent 10 000, que demander de plus? Bon bah voilà, c'est fait. Bon et bien maintenant, ce qu'on va faire c'est qu'on va rentrer au bunker. Y a-t-il une Papa Véro dans le coup où je suis obligé de commander une? Bah apparemment je suis obligé de commander une, il y a un mec là-bas qui m'intéresse avec des sous-sous. Hop là, voilà, on va retirer directement, voilà. Le mec, je le pirate à 30 mètres. Il y a un distributeur juste à côté de moi. Il n'en sait rien du tout. C'est génial. 55 000 de pognon, c'est cool. Bah, je vais récupérer ma bombe. Puisque... eh bien... Elle a tout simplement pas pété. Et on va se rendre ici. Puis on va faire un trajet rapide d'ailleurs. Hein, je vois pas pourquoi on s'emmerderait la vie. Voilà. Donc j'ai regardé, il y a apparemment 11 enregistrements vidéo. Donc bien sûr, je ferai ça pendant les 3 épisodes, voilà. Lundi, mardi, lundi, mercredi, vendredi. Voilà. Et puis comme il y en a 11 et que c'est pas divisible par 3, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va en regarder 3 aujourd'hui. Plus un enregistrement audio. Pas mal, Tobias. J'ai toujours pris pour un mec coincé, mais je me trompais, vu que t'as trouvé mon fichier. Dis donc, j'espère que t'as aimé ta petite promenade à travers les sphincters les plus dégueux d'Internet. T'as préféré quoi, la torture sur testicules ou les fétichistes du poney? Allez, à toi. Les testicules des poneys, moi je préfère, largement.
C'est une blague. Je précise au cas où vous preniez mal, etc. Par contre, j'adore bouffer du cheval. Non, je fais pas de la pub à Findus. Ah, c'est pas vrai. Bon, allez. Hop, on sort. Ah voilà, n'empêche, le bunker ça fait vide quand il n'y a plus personne. Alors, on va aller chercher l'enregistrement audio qui n'est pas là. Super. Oui, je sais, il y en a plein ici, mais ça, ça sera pour les épisodes précédents. Prochain, pardon. Donc, il y en a un là. Hop. Ok, 4 écrans, le mec, donc déjà il se fait pas chier, c'est génial. Déjà, j'aimerais bien avoir 4 écrans pour moi, tu sais, aussi. Respawn, putain, ça se fait trop pas, c'est ma zone de respawn. Merde, l'enculé de merde. Je crois qu'il joue à Call of Duty. LOL. Oh putain. Oh ce putain de troll. Bref. Ok, c'est varié quand même. On assiste premièrement à un mec avec 4 écrans en train de faire je ne sais quoi, ça devait être un flic ou police scientifique, machin bazar. Ensuite, on assiste à un mec qui pète un putain de plomb à cause d'un jeu vidéo Call of Duty. Je déconne, je sais pas si c'est ça, mais bon, vu le taux de rage du mec, ça doit être ça. Et là, on assiste à un suicide d'un mec. Et écoutez, c'est fort sympathique tout ça, hein, voilà. Eh bien nous, hop, on va pas faire plus aujourd'hui d'enregistrement vidéo, on fera ça pendant les deux épisodes prochains, voilà, à la fin comme d'habitude, et puis si les missions sont aussi courtes que la mission secondaire qu'on a fait, enfin la mission additionnelle plus précisément débrouille, attendez-vous dans les prochains épisodes à avoir une mission additionnelle plus trois missions secondaires, trois chacune, c'est-à-dire planque de gang, escorte criminelle et contrat de fixeur, et 4 enregistrements vidéo. Voilà, ça c'est le programme de cette semaine, et puis la semaine prochaine, on verra bien ce qu'on fait. Voilà, sur ce, j'espère que cet épisode un petit peu spécial vous aura plu, voilà, sans scénario, je suis désolé, mais bon, c'est... Voilà, le scénario est fini, donc moi je peux pas le chier le scénario non plus. Voilà, hop, on va se mettre comme ça, voilà, classe. Donc j'espère quand même que cet épisode vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vert, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. À vous abonner, si vous me le suivez dans cette... Là j'ai pas d'adjectif en fait. Dans cette... distrayante aventure, bon c'est un petit peu de la merde comme adjectif pour aujourd'hui, mais c'est pas grave, j'en chercherai pour les épisodes prochains. Et donc nous, on se dit à mercredi, même heure, même endroit pour la suite du... Playthrough, à ciao tout le monde, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et surtout, n'oubliez pas, everything is connected.